Alors, février 2022, nous allons voir deux grosses nouveautés dans Ableton Live 11, avec une petite update, je crois. Donc, nous allons aller dans l'espace arrangement, audio pour le pliage des pistes. Là, je vais router cette piste sur Universal Audio, mon micro. Voilà. Voilà. Là, je la mets sur le 1, voilà, 1, 2 ou 1, voilà, comme ça. Là, on va faire un premier enregistrement. 2, 1, 2, 1, 2. Et là, il faut que je me mette en mode arrangement, pardon. Voilà. On revient. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vais vous en faire plusieurs. 1, 2, 1, 2. Donc là, on est en enregistrement des prises record. Je dirais, ça peut tourner en boucle aussi. Regardez, oui, ça peut. On peut enregistrer en boucle directement. Voilà, en loop. Voilà, encore en boucle. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, le direct arrête Justement. l'enregistrement. Et là, vous faites. Alors, contrôle, alt. Et U, je crois. Ouais, voilà, contrôle Alt U. Afficher ligne de prise. Hop, et vous les avez toutes. Ensuite, pour les faire devenir principales, vous appuyez sur Entrée. En fait, ça la rend sur la ligne principale. Quand vous cliquez droit, c'est copier la sélection dans ligne principale. Voilà. Mais vous faites Entrée. Hop. Et par exemple, celle-là, je veux qu'elle soit écoutée. Voilà. Et celle-là aussi. Voilà. Alors voilà pour cette grosse nouveauté de pliage des pistes. Seconde nouveauté, à mes yeux, c'est le synthé Wave qui a pas mal de trucs et assez évolué quand on va dans Instruments. Vous avez Wavetable. On va prendre un effect pour que vous voyez bien. Voilà, un effet alien. Voilà, en même temps, je vais sur note. Voilà. Voilà, si. Là. Non, hop. Pouvez déplier ici. Voilà, vous pouvez déplier ici donc pour avoir les enveloppes directement. Voilà, ce synthé qui a pas mal de presets et où on peut en faire vraiment pas mal. C'est sympa. Voilà pour ces deux grosses nouveautés. Après, c'est beaucoup de plugins qu'on va trouver dans effets audio. Par exemple, dans les delays, du spectral delay, beaucoup de spectral time. Là, voilà. On va retrouver aussi dans les plugins, non pas dans les plugins, dans les instruments ou dans les effets audio. Ou dans les packs, vous allez le voir directement en bas, plein de nouveaux packs, de nouveaux sons, dont Voicebox qui est pas mal. Voilà. Bien, merci, à plus tard.